Des manifestants en colère face aux forces de l'ordre. Des centaines de Géorgiens étaient dans les rues de Tbilissi ce mardi matin pour protester contre le pouvoir en place. Cette manifestante fait référence à Bidzina Ivanishvili, l'homme le plus riche du pays. Le milliardaire pro-russe et anti-occidental a fondé le parti Rêve géorgien qui a remporté les législatives du 26 octobre. Depuis, l'ambiance dans la capitale est électrique. Ce matin, les forces de l'ordre ont procédé à de nombreuses arrestations, mais les manifestants restent déterminés. Selon eux et l'opposition, le scrutin aurait été truqué avec l'aide de la Russie. Des accusations soutenues par la présidente du pays, qui a rejeté les résultats officiels et appelé la population à manifester. Il y a quelques mois, après l'adoption par le Parlement d'une loi d'influence russe sur les agents étrangers, l'Union européenne a décidé de suspendre le processus d'adhésion de la Géorgie.